tôt. Il est 4 heures du matin. Là, je vais préparer, moi. Je vais manger. Après ça, je vais réveiller Katia pour lui donner son bain, donner sa médication. Puis, on part, c'est de partir pour 5 heures. Katia, elle s'est réveillée 4-5 fois, de minuit à 4. Fait que c'est pas une nuit terrible. Fait que c'est ça. Au moins, j'ai réussi à dormir ce temps-là, là, mais c'est sûr que je vais être fatiguée tantôt. Fait que je vous parle plus tard. Bon matin, Katia! Bon matin! On va aller prendre un beau bain, ma fille. Hein? Bon matin. On va-tu prendre un beau bain? On va-tu prendre un bain? Voilà, aller prendre un bain à matin. Tu viens ici? On va aller faire couler l'eau. Yeah! Veux-tu prendre un bain? On va-tu prendre un bain? Un bain à matin! Oui! Là, on va aller prendre un bain! Yeah! Un bain? Ah! Un bain? Oui, un bain! Viens, on va aller prendre un bain. Ouais. Ouais, bravo. On va déshabiller Katia. Est-ce que tu es content de prendre ton bain? Oui! Est-ce que tu es content de me taire? Tu es content de prendre un beau bain? Ça a bien été la médication, elle a bien pris. Yay! 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 Bonne humeur, ma catou, hein? Ouais. Coucou! Coucou? Katia? Katou! Coucou! Comment tu le fais? C'est spécial pendant 24 heures, hein? Oh, t'es tellement belle! Oui, 5h15. Quand tu es sortie du bain, ça va bien, Adam. Tout va bien! Oui! Non. Ben, Lucky, tu te resalues à Lucas. Ok? Bye bye. Bonne journée. Katia. Ouais. On n'a pas besoin de tic. Katia, on est arrivé, ça a bien été, mon bébé, hein? Ouais. Tu es gentil. Ouais. Tu n'auras plus de grosse gentille, hein? Tu n'auras plus de grosse gentille. Katia.
château. Bon, je viens vous parler un peu ici à la toilette. Katia est partie en salle d'opération à 8h15. On a eu des perles d'infirmières, tout était parfait. On a fallu qu'ils reprennent une prise de sang, mais ça, ils ont eu de la misère. Mais Katia était fine, pour vrai, là. Je suis tellement fière de ma fille, elle était fine, mais fine, là. Tout a bien été, prendre sa médication le matin, dans le bain, lui donner son bain, la monter. Elle était vraiment gentille. Fait que là, j'essaie de me parler, me dire que ça va bien aller. Mais avec toutes vos pensées, il y a tellement de monde qui m'ont écrit pour dire qu'ils pensaient à Katia, là. Ça me touche tellement, là, si vous saviez, là. Ça m'aide beaucoup à savoir qu'il y a autant de monde qui pense à elle. En tout cas, là, mon chum de lui, il est parti. Il a pu rentrer avec moi, ça, j'étais contente. Il a pu rentrer avec moi jusqu'à temps qu'elle aille se faire, il la mette dans sa salle d'opération. Là, il est parti un peu, il est allé faire des commissions, justement, il va aller au Costco. C'est ça, puis il y a une place à faire une boutique électronique, il y a besoin de quelque chose. Puis moi, ben, je vais attendre ici, puis ça fait mon affaire. Au moins, tu sais, on peut plus rien faire qu'aller dans cette opération-là. Fait que je vous redonne des nouvelles pour la suite. Puis on se croise les doigts, que tout aille bien, puis qu'elle aille pas mal, trop cette fois-là. Fait que merci d'être là, sincèrement, là. Merci. Bon, je vais vous donner des nouvelles. Il est 10h, il vient de venir me voir, l'opération est terminée. Elle est en salle de réveil, elle se réveille tranquillement. Puis, il dit qu'il a fait un beau trimage, ça devrait être beau, on devrait être satisfait. Il dit qu'elle n'a pas trop de dents cariées, il dit vraiment c'est surprenant. Mais il dit qu'il a fallu qu'il enlève 3 dents. Il y avait 3 dents mobiles qui ont enlevé, fait que ça va être fait. Puis, il n'a pas besoin de la revoir, je suis contente, je pense qu'il redonnera un rendez-vous de suivi dans une semaine. Mais non, il dit qu'il va l'avoir dans 6 mois. Fait que je suis contente, je suis soulagée le jour de l'avoir. Mais on dit qu'elle a bien fait ça, c'est pas débattu. Oh, je suis soulagée. Belle fille d'amour. Quand tu t'attends à maman. Allô, ma fille. Allô, t'as bien fait ça. Ah, je t'aime. Alors, on va fermer les rideaux. Parce que Katia veut partir. Elle veut se lever de son lit. Ça oui. L'ouverture, elle veut partir. Ok, on ferme les rideaux. On va garder la glace qu'elle tient à l'air. Je t'aime tellement. Allô. Allô. Ils ont fait une belle job. Oh, on voit les dents. Oh, on voit les dents. Oh, t'es chouette. Oh, t'es belle. Oui, t'es belle. Oh, t'es belle. T'es belle. Ok, tout. T'es prête à partir, là. T'es tannée. Ouais. T'es prête à t'en aller. T'es belle fille. Ouais. On s'en va, Katou. On s'en va. Hâte de partir. Là, en face, à la porte, Katou, on s'en va. Elle a bien été. Ah, belle chouette. Je sais pas quelle heure qu'il est. Quelle heure qu'on sort, finalement? Hein? Et quelle heure, là? Je sais pas, on aurait pu sortir, là. C'est la bonne nuit. On peut voir. Tellement contente. Ça a bien été, c'est tragique.
belle chouane. Comment elle voit ma belle chouane? Hein? T'avais le goût d'écouter Carmen? On va essayer le coin de ta bouche. Ouais. On va tout dire. Hein? On va tout dire. Ouais. T'es belle. Hein? T'as bien fait ça, ma fille. Ouais. On va pas remettre les bijoux? Hein? On va pas remettre les bijoux? Ouais. On est revenu. Je pense qu'à midi et demi, on disait qu'on pouvait partir. Quand c'était tanné, parce que sérieusement, elle voulait sortir du lit, elle voulait aller dans la poussette. Puis même quand on l'a laissé dans la poussette, elle voulait s'en aller, là. Puis là, maintenant, il a fallu comme la rentrer ou son lit, puis fermer les rideaux pour la changer. Parce qu'il avait pas enlevé son soluté, fait qu'on pouvait pas comme enlever sa jaquette d'hôpital. Puis quand on a enlevé son soluté, ben, on a dit on va le rentrer pour y mettre son gilet. Mais là, elle voulait pas être là en haut les rideaux, là. Elle voulait pas t'enfermer les rideaux, là. Elle voulait partir, là. Fait que là, on est revenu. Puis sérieux, je capote comme c'est là, mais différent de la première opération, je disais. Elle est en forme, il y a rien qui paraît. Mais c'est sûr qu'elle fait beaucoup pipi, par exemple, les couches, ils viennent remplies dans le temps de le dire, là. Comme on l'a changé avant de partir d'hôpital, on en revient ici, ça en même pas une heure, puis la couche était débordée, il y en avait plein. Fait que là, elle fait vraiment beaucoup de pipi, ça je comprends pas. Parce que tu sais, c'est sûr qu'ils ont donné un soluté, mais. Puis là, ben, en arrivant, on lui a donné des Advil, parce que l'hôpital, il avait donné des Tylenol, puis ça faisait 6 heures. Quand on a donné des Advil, mon chum lui a donné la seringue, parce que moi, j'étais pas capable. J'essaie de se donner pas me tasser. Mais elle a pris un pédiatre et demi, elle mange son fromage. Fait que tu sais, c'est vraiment bon. C'est le gars, elle écoute Herman, je veux dire, puis elle pleure pas. Ça va bien. Elle est active, elle monte en haut, elle descend, elle redescend, elle se promène dans la maison, elle voulait ressortir dehors tantôt. Elle était où la porte d'entrée, elle essaie de sortir. Elle joue avec ses jouets. Comme celle-là, ça va super bien. Je capote. Puis la bonne nouvelle, c'est ça aussi, il n'y a pas besoin de la voir. Il dit, hey, moi, au besoin, je reprends rendez-vous. Mais, parce que la première fois, elle m'avait cédé le rendez-vous une semaine après pour revoir comment ça guérissait. Puis là, j'ai pas besoin. Puis, elle va à l'école la semaine prochaine, parce que la première fois et tout, elle avait manqué. Il fallait que je la garde dans la maison toute la semaine. Puis là, j'ai pas besoin. Elle essaie, je la sens en forme, hein, je la sens correcte, je sens qu'elle est dans son état habituel. Ben, je peux l'envoyer à l'école. J'ai pas de contre-indication de pas l'envoyer dans le fond. Fait que, c'est pas drôle d'avoir stressé pour ça, finalement. Mais pourquoi je parle trop vite, là, parce que ça fait pas non plus longtemps qu'elle est opérée, là, mais à date, pis tu sais, ça déguise pas, parce que la première fois, ça avait été un choc de l'avoir, là, comment... Tu sais, ses dents, là, c'était croche, c'était affreux, là, ça l'a défiguré, là. Puis là, même pas, ça paraît pas. Ben là, j'ai pas regardé encore dans le fond de sa bouche, j'ai posé, là. Mais dans le fond de la bouche, je m'en fous, on voit pas. C'est sûr qu'il a enlevé beaucoup de gencives, parce qu'il en avait vraiment beaucoup. Mais, puis il a enlevé trois dents. Trois dents mobiles, mais c'était dans le bébé, sûrement, parce qu'il avait pas tout perdu. C'était dans le bébé, il était comme caché, retenu par le souple de gencives, là. Fait que... C'est ça! J'ai hâte d'avoir mon Lucas, ça, je voulais vous dire aussi. Lucas, à matin, il faisait sa routine toute seule. Parce qu'hier, on lui a demandé. Moi, je savais qu'il était capable. Mais je disais, ça, ben, c'est offert de venir. Mais tu sais, c'était de bon matin. Puis je dis, je vais lui demander, ça. Je dis, dis qu'il aimerait mieux que tu sois là, puis tu viendras. Puis sinon, je ferai confiance. Puis. Fait que là, hier, on lui a demandé. Puis il disait qu'il aimait mieux s'il était capable de le faire toute seule. Fait que, c'est ça. Lucas, j'avais préparé sa boîte à lunch. J'avais tout fait ça. J'avais même écrit des mots sur la table avec mes crayons. Il dirait, ben ça, je l'ai montré. Il dirait de pas oublier sa boîte à linge dans le frigidaire, de pas oublier son sac. Puis c'est ça, il s'est arrangé de ça. Fait que là, je suis fière de mon garçon. Mais Nick était ici, mais Nick était couché puis dormait, là. Mais je me disais, ça aussi, il y aurait eu vraiment une urgence, besoin d'un adulte. Nick arrêtait là, il n'avait pas le réveiller. Mais de. Tu sais, il a fait sa routine seule, se réveiller tout seul, puis tout, parce que nous autres, on était partis quand que. Dans le fond, on est parti à 5h, puis lui, il se lève à 6h. Fait que, tu sais, je suis bien fière, je suis soulagée, là, si vous saviez. Là, j'allais prendre un café avec mon chum, on a pris un café. Mon chum est allé au Costco, on a serré le Costco. C'est ça, mon chum, comme je vous montrais dans l'auto, il est allé au Toys R Us. Il a acheté un cadeau à Catou. Il a acheté deux cadeaux à Lucas. Mais un, c'est un cadeau de Pâques, puis l'autre, c'est pour lui donner mes carrés. Fait que, là, je vais lui donner les Lego Minecraft, justement, mais je pense que vous les avez vus. J'en voulais te montrer. Mon chum a acheté ça. Que je vais lui donner ça en arrivant. Puis quand il a acheté ça, je trouvais ça trop beau. Il a acheté ça. Un chat. Puis le chat, là, il fait des tatous. Regarde le chat, là, avec sa patte, il fait des tatous. Je trouvais ça vraiment cute. Puis.
Qu'est-ce qu'il y a pour ça? En tout cas, j'ai hâte de voir ce cat-là. Je pense, je sais pas quel cat-là le passé si je donne ça aujourd'hui ou s'en faire passer finalement. Mais sinon, qu'est-ce que je donne pas aujourd'hui, ça va être un cadeau de Pâques. C'est mignon, hein? Là, ça, ça allume. Là, il y a du ketchup, non? Là, la pâte, elle bouge. C'est cool, là. Mon chum s'est racheté des chocolatines. Il est allé chercher des beignes aussi, des bons beignes. Et aussi, aller chercher des croissants. Et c'est trop content. Moi, j'adore ça. Les deux dernières fois, on est allé au Costco, il n'y en avait pas. Puis là, tu vis, il y en avait. Mon chum, il a pensé à moi de l'acheter. J'étais vraiment contente. Puis, les beignes. Nos beignes. Un cadeau. Regarde, on t'a acheté un cadeau. Tu veux-tu le cadeau? Ouais. Ouais, cadeau pour Catou. Hein, faire passer. On va sortir de la boîte. OK? Maman va le sortir de la boîte. Tu l'aimes? Ouais, tu l'aimes. Tu l'aimes ton faire passer, ma chouette. Oui, tu l'aimes. Oh, t'as peur, on va laver la bouche. La bouche, elle vient un peu sale, hein? Oh, oh, ouais. Je vois des plis. Mais on va au travail. Tiens. Oh, bébé, maman. Ouais. Oh, bébé. Les étiens. Les étiens, t'es ta vidrée. Ouch! Oh, je t'aime, je suis fière de toi, ma fille. Je suis tellement fière. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Coucou! Un petit bébé. E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P K-I-R-S. Je le tiens. Coucou, Catou! Coucou! Et que t'as des beaux yeux. T'as des beaux yeux. Je suis fière de toi. Allô, mon grand! T'as fait tout toute seule? Ouais. Oh, je suis fière de toi! Tiens, ça me fait la chance, c'est bien là. Ça va tellement bien, on dirait qu'elle s'est pas fait opérer. Ouais? Ouais, je capote. Oh, j'étais fière de toi, Lulu. Tu m'entendais-tu parler dans la chambre à Kato, maintenant je te parlais? Tu m'as pas entendu? Non, un petit peu de la bouche. Amiga, les dents, tu vas te dire, on veut pas ses dents. Oh, t'as regardé! Oh, t'as regardé! Oh, gars. Regarde, tu vois-tu tes dents? On les voit bien plus, hein? Regarde. Ça va, les yeux. Regarde, les palettes. Oh, chouchou, à maman. Oui, t'es bonne. Quoi? Papa, il est allé te choisir une surprise. Quoi? Parce qu'on a trouvé ça vraiment. Maman est vraiment fière que tu te sois rangée toute seule le matin et que t'aies réussi à faire ta routine. T'es arrivée en retard à l'autobus? Non, là, c'était genre le. Oui, mais j'en reviens pas, pis t'as pensé à ta boîte à lunch? Ben oui, c'est que sur le cas, j'ai pris mon déjeuner, j'ai fait, ah ben oui, c'est vrai. Tu l'as sorti tout de suite? Ouais, j'avais pas besoin du message. Ah. Mais... Pis t'as dit t'as-tu bien été? Je sais pas, j'avais un examen de panache. Ah, encore? Ouais. Coudon, c'est quoi, tu vois-tu? Non. C'est mon amour. Oh. On voulait t'acheter quelque chose parce que t'étais vraiment gentille de réussir. Ça va être fun. Ben ouais. Tant que tu n'avais pas eu des Minecraft? Ouais. Et ça, on avait déjà eu un. Tu l'avais déjà eu, oui? On avait déjà eu un. Mais pas lui, là. Ok, ok. Pas lui. Sinon, on aurait été l'air échangé. Ouais. Mais il y a un. Combien de pièces? Regarde. Et c'est 8 ans et plus, fait que c'est pour ton âge. Ouais. Hein? Oui, chichou, maman. Oui. Oui, chichou. Ah, je suis contente. Elle a mangé. J'ai fait un plat de pâtes avec de la crème et du pesto. Puis,
elle a vraiment mangé, je reviens pas, je suis vraiment contente. Contente de voir ça? T'es belle! Là, comme toi, pas, là! Ouais, c'est ça, je partais pour dire, t'en sens pas. Oui, t'es contente de voir ça! Oh! Ouais. T'es belle! C'est ça! J'ai une crise! Ben oui! Catou, ouais! Ouais, t'es contente! T'es contente de voir ta sœur? T'es bonne! T'es donc bonne! Moi, toi, t'as vu en bas? C'est l'aime d'en faire passer, hein, Katia? Il est 8h36. 20h36 précisément. On sort du spa. Moi et mon chum, on est allé se relaxer dans le spa. Ça a fait méga bien. Puis Katia, je vous dis, on dirait pas qu'elle se fait opérer. Elle est vraiment comme d'habitude. Il n'y a rien qui paraît. Sauf que là, on lui donne sa médication. On donne du Tylenol. On l'attend avec Advil. Là, j'ai mis le cadran à 1h30 pour la me réveiller cette nuit pour venir lui en donner. Mais à part ça, tout est beau. Elle prend ses pédiatures, elle mange son fromage, elle mange son gros plat de pâtes, elle a de bonne humeur. J'ai capote. Fait que c'est ça. Lucas, lui, est parti au cinéma avec Sab. Elle l'a amené voir Sonic. Puis après ça, elle est couchée chez Sab. Fait qu'on va se revoir demain pour une autre journée. Je vous remercie d'avoir été là en pensée avec nous aujourd'hui. Bye!